Shalom, que le Seigneur te bénisse. Les jours précédents n'ont certainement pas été très évidents et très faciles pour toi. Tu as peut-être expérimenté une maladie chronique qui t'a cloué au lit et qui a pris tes économies. Tu es peut-être dans une situation de chômage. Tu expérimentes des souffrances au quotidien et tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu as même perdu la foi en Dieu parce que tout simplement, tu ne sais plus à quel saint te vouer. J'ai une parole pour toi de la part du Seigneur. J'aimerais te dire, garde la foi. Tu sais, la vie n'est pas linéaire. Et dans le parcours de la vie, il y a des moments où on rencontre des montagnes qui sont des difficultés. Avec la force du Seigneur, tu auras la capacité de vaincre ces montagnes. Je suis moi-même un exemple de la grâce de Dieu qui est capable de sortir de toute situation incroyable, difficile, pour faire d'une vie une merveille. Bien-aimé, la foi te permettra de te relever en Jésus-Christ. Et j'aimerais t'aider en te demandant de prendre une position de prière et de répéter avec moi ces prières. Je pense certainement que le Dieu que je sers t'aidera à te maintenir debout au nom de Jésus-Christ. Répète ces prières avec dévotion, avec moi, et mon Dieu agira en ta faveur, parce qu'il est le Dieu des cas impossibles. Il le fera pour la gloire de son nom. S'il te plaît, dis avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te reçois à nouveau dans mon cœur, dans une plus grande dimension. Je sais que ta miséricorde est disposée pour ma vie. Là où cette femme prostituée était condamnée par tous, Seigneur, tu l'as libérée des accusateurs. Zachée, cet homme de mauvaise vie, ta miséricorde l'a localisée et tu es rentré dans sa maison et tu as soupé avec lui. S'il te plaît, dans ta miséricorde, viens souper avec moi. Change ma vie pour le meilleur et guéris-moi des œuvres des ténèbres. Libère-moi de toutes sortes de maladies. Guéris-moi par la puissance de ton esprit, de tout ce qui m'a maintenu captif, de tout ce qui m'a maintenu dans l'esclavage, de tout ce qui m'a maintenu dans la souffrance. Je déclare mon émancipation au nom de Jésus. Dieu des miracles, Dieu des signes, des prodiges, Dieu de ma délivrance, restaure-moi s'il te plaît à cause de ton Fils Jésus. Et si tu le fais, je fais le vœu de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais te dire, suite à cette prière, que la puissance de mon Dieu agisse dans ta vie et que les jours qui viennent soient des jours bénis, soient des jours de témoignage, soient des jours de guérison, soient des jours de restauration. Bien-aimé, à coup sûr, après cette déclaration, je te vois témoigner des merveilles du Seigneur. Alors, dimanche prochain, viens me rejoindre à l'église Ambassade des Miracles, située en Abidjan, pour témoigner des merveilles du Seigneur dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. J'espère te retrouver dimanche, venant témoigner que mon Dieu t'a relevé, que mon Dieu t'a restauré, que mon Dieu t'a béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.